Une trentaine d'entreprises françaises opérant dans le secteur des industries métallurgiques et mécaniques se sont informées mercredi à Casablanca du plan national d'accélération industrielle conçu pour la période 2014-2020. Ce plan prend la relève du pacte national pour l'émergence industrielle lancé en 2009 afin de capitaliser sur les réalisations accomplies, notamment dans les filières de l'aéronautique, l'automobile et l'offshoring. Ce séminaire porte sur les industries mécaniques et métallurgiques et vise à favoriser les coopérations entre les entreprises françaises présentes au Maroc ou bien venues pour le salon CIMEST, le salon de la sous-traitance, et puis les entreprises marocaines. L'idée est de créer des partenariats qui permettent aux entreprises de monter des projets en commun et de partager la valeur ajoutée et de créer de l'emploi dans les deux pays. En tant que président de la Chambre française, notre rôle, c'est de mettre en contact justement la totalité des acteurs, d'un côté français, les industries marocaines, et de mettre en contact toutes ces personnes pour le développement de nos affaires et des preneurs d'ordre qui peuvent éventuellement, et des partenariats qui peuvent se nouer à cette occasion. Ce séminaire a permis aux acteurs économiques de mieux appréhender la nouvelle stratégie industrielle du Maroc et le déploiement des écosystèmes industriels. Il a également constitué une plateforme d'information et d'échange d'expériences pour les adhérents de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, œuvrant dans le secteur des industries métallurgiques et mécaniques.